En tant que mentaliste, je m'intéresse beaucoup aux petits détails qui se trouvent autour de nous. Chacune des actions que l'on prend, décisions que l'on entreprend, laisse derrière soi des petits signes qui nous permettent de déduire ce qui s'est passé. Comme un détective. Après un crime, le détective se rend sur la scène et analyse tous les petits indices qu'il peut y trouver, comme des empreintes digitales, des miettes de pain, etc. C'est pareil pour moi, je m'appelle Taha Mansour, et à côté de mes études d'ingénieur, je suis un détective de la pensée. À chaque fois que vous avez une pensée dans votre esprit, vous laissez passer des petits signes qui me permettent de revenir à votre pensée initiale. Laissez-moi vous illustrer ceci. Vous voulez me rejoindre sur scène, s'il vous plaît? On l'applaudit bien fort. Passez par là. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Enchantée, vous êtes? Enchantée, Sarah. Sarah, enchantée. Sarah, nous ne connaissions pas, c'est la première fois qu'on se voit. Oui. Très bien. Sarah, je vais vous demander de penser à un objet, quelque chose de simple que vous pourrez dessiner, pas une forme géométrique, quelque chose du genre, mais juste quelque chose que tout le monde pourrait reconnaître là. Ne me le dites pas, juste gardez ça dans votre tête. Pas une forme géométrique? Non, juste un objet ou quelque chose de simple. Je veux pas non plus des trucs très spécifiques, genre un avion F-12 de l'année, voilà, un truc. On va rester large. Ça marche, vous avez quelque chose en tête? Oui. Ça marche. Concentrez-vous là-dessus, essayez de l'imaginer devant vous. Ok, je vois déjà des formes rondes, un peu circulaires, peut-être un peu cylindriques. Quelque chose qui monte avec quelque chose de posé par-dessus. Vous pouvez l'imaginer dans un contexte? Ok, je vois du blanc. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de lumière qui passe quelque part, peut-être un côté transparent ou un côté qui réfléchit la lumière, ne me dites rien. J'ai l'impression qu'il est assez lissé, pas genre un cactus ou quelque chose du genre, il y a vraiment un côté très... Oh, avant que j'oublie, je vais vous inviter à l'écrire juste ici. Comme ça, vous ne pouvez pas changer d'avis. Vous pouvez utiliser la table juste ici. D'ailleurs, vous pouvez aussi mettre votre prénom et la date, comme ça vous êtes sûr que c'est la même chose. Bon, je vous rassure, ceci est aussi pour vous protéger contre moi, si jamais j'insiste inutilement et que c'est faux. Bon, on pourra vérifier à la fin, mais normalement, on n'aurait pas besoin d'utiliser parce que ça devrait fonctionner. Donc, écrivez votre prénom, la date et l'objet de manière bien lisible, pas de gribouillis. C'est bon, vous pouvez replier. Très bien. Donc, ceci, c'est un peu une protection, on va dire, ok, de ça. On va juste laisser ça juste là, comme ça, on va y revenir. Donc, concentrez-vous là-dessus. J'aimerais revenir à un point qui marquait bien cette espèce de cercle. Vous voyez, à un endroit, il y a un trou, c'est ça que je voyais. Concentrez-vous là-dessus. Visualisez ça bien dans votre esprit. Vous pouvez l'utiliser, l'objet? C'est très bizarre, vous pouvez l'utiliser? Ok, donc essayez de l'imaginer en train de l'utiliser. Il y a vos doigts qui bougent un peu. C'est quelque chose de très tactile. Ok, d'accord. Elle a mis ses mains comme ça. Ok. Détendez-vous, rassurez-vous. Okay, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très tactile. Effectivement, des formes un peu rondes comme ça. C'est très bizarre. Mais je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais j'ai l'impression que vous ne posez pas des choses sur l'objet, mais c'est l'objet qui est posé sur vous. Ouais, ok. Concentrez-vous là-dessus. Vous pouvez l'imaginer en train de l'utiliser? Je peux prendre vos bras? Merci. Concentrez-vous là-dessus. Laissez juste les mouvements venir. Ne faites rien. Juste je veux. Je vois vraiment ça. Il y a un côté très beau, un côté très élégant. C'est un instrument? Ok. Ça doit être ça. Vous êtes musicienne ou pas? Non, pas du tout, mais c'est quelque chose quand même qui vous inspire, vous trouvez ça extrêmement beau. Vous pouvez même vous visualiser à un moment donné, la première fois où vous le voyez. C'est un violon? Oui. Oui? On l'applaudit bien fort, merci beaucoup, vous pouvez revenir à votre place. C'est toujours comme ça, les grands événements en engendrent toujours des plus infimes. Mais, et si les petits événements pouvaient en engendrer de plus importants? Imaginez par exemple des empreintes digitales et des miettes de pain n'ont pas aidé à résoudre un crime mais en être la cause. Absurde, n'est-ce pas? Ou peut-être pas. Regardez l'effet papillon. Un simple papillon battant ses ailes au Brésil peut engendrer une tornade au Texas. Maintenant, regardez le point de vue du papillon. Il ne faisait que vivre sa vie tranquillement, sans se douter du fait qu'il était en train de causer une catastrophe naturelle à l'autre bout du monde. Et si c'était pareil pour nous? Et si nous n'étions pas conscients de l'impact de nos actes les plus infimes, les plus naturels? Cela fait 5 ans que je suis fasciné et obsédé par une idée. Nous faisons des choix tout le long de notre vie, tous les jours. Et si chacun de ces choix, aussi infime soit-il, avait une conséquence sur notre entourage,
voire même sur des personnes qu'on ne connaît pas. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si vous aviez tourné à gauche plutôt qu'à droite? Voyons cela. Pour commencer, nous allons laisser le chaos faire bien les choses. Je vais lancer cette petite balle dans le public et la personne qui la rattrape est invitée à se mettre debout, à me rejoindre. Alors ne passez pas la balle à votre voisin, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. De toute façon, il y aura des témoins. Hop là. Hop, hop, votre... Vous pouvez la relancer si vous voulez. Très bien. J'ai vu un baissement. Ok, on l'applaudit bien fort. Vous pouvez me rejoindre sur scène. Bonsoir, vous êtes ? Bonsoir, Alexane. Alexane, enchantée Alexane. Alexane, je vais vous demander de penser à un nombre entre 1 et 52. Ça sera votre numéro de chance. Ok ? Je vais vous donner ça. Je vais vous inviter de l'écrire juste ici. Et de vous installer juste là. Vous pouvez vous installer sur la chaise. Très bien. Et sinon, nous allons avoir besoin d'une autre personne. Tenez-vous, madame, vous m'avez l'air bien. On va vous passer des crayons et des post-it. Et vous allez... mais vous allez devoir vous déplacer. Vous allez donner un post-it et un crayon à 4 personnes dans la salle. Bon, n'allez pas au fond parce qu'on est un peu limité par le temps. Juste restez un peu à côté de vous. C'est bon, vous pouvez laisser ça là. Très bien. Oui, un crayon et un post-it. D'ailleurs, comment vous appelez-vous pour tout le monde ? Elena, on applaudit bien fort, Elena. N'allez pas trop loin quand même, s'il vous plaît. Je la vois s'éloigner au fur et à mesure. C'est bon ? Chaque personne qui reçoit un post-it et un crayon est invitée à écrire son prénom là-dessus et se le scotcher sur le torse et de venir s'aligner juste là. Rappelez-moi vos prénoms. C'est comment ? Oui, chaque post-it, crayon. Très bien. Oui, et pouvez-vous mettre en ligne juste ici ? Ah oui, vous vous amusez vraiment, Elena. Hein, genre... Et pour terminer, oh, j'ai jamais vu quelqu'un s'amuser. Oh, wow. Elle est en train de sentir les personnes. Donc écrivez votre prénom. Et vous, Elena, vous pouvez me rejoindre sur scène. Aussi, vous allez avoir un rôle extrêmement important ce soir. Vous pouvez passer par là. Hop, ah, vous pouvez rester juste en bas. Mais merci d'être... Vous allez venir dans un instant. On applaudit encore Elena. Venez, venez. Je vous en prie, Elena. Oui, c'est vous d'abord. Enchantée. Vous allez vous installer juste là, vous avez une chaise juste pour vous. Elena, ce soir, vous allez avoir un rôle assez incroyable car vous allez jouer le rôle du chaos. Amusant, n'est-ce pas ? Ah bah très bien, ok, donc vous allez commencer par faire exactement ce que le chaos aime bien faire, c'est-à-dire... battre les cartes, exactement, vous le faites magnifiquement. Quand vous aurez terminé, vous pouvez les laisser juste ici. Donc nous avons 4 personnes ce soir, nous avons... Pouvez-vous me dire votre prénom ? Julie. Carl. Très bien. Amélie et Marie-Renée, merci bien. Vous avez terminé, vous pouvez laisser... Ah oui, vous faites vraiment un gros... Amusez-vous, et après vous pouvez laisser les cartes juste ici. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Chacun d'entre vous, dans un instant, vous allez monter sur scène et vous allez faire votre plus beau défilé de mode, juste ici. Et vous installer sur n'importe quelle chaise que vous voulez autour de cette table-là. Et vous d'ailleurs, Alexandre, c'est bien ça ? Vous ne savez pas trop ce qui va se passer ? Mais sachez que chaque chose qui va se passer sur scène va vous impacter. Voilà, je laisse ça là. Donc, vous avez terminé ? Très bien. Et donc vous allez tous les regarder et vous allez décider qui parmi eux a fait le plus beau ou le plus moche. On va laisser le critère entre nous, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Défilé de mode. Et quand ils auront tous terminé, on refera les prénoms, rassurez-vous. Vous allez écrire un et un seul prénom en grand ici pour qu'on montre ça à la fin. Ça marche quand ils seront tous passés, bien sûr. Donc, nous commençons par Julie, je vous en prie. Allez-y, montez, montrez-nous vos talents. Oui, on l'encourage. Oui, oui, faites-le. Et vous installez où vous voulez. Oui. Ensuite, nous avons, vous allez vous monter, annoncer votre nom à haute voix et faites-le. Carl, très bien. Oui. Et vous installez où vous voulez. C'était très direct, très sobre, mais n'empêche quelques subtilités là-dedans. C'est excellent. Ensuite, nous avons Amélie, je vous en prie. Et vous installez où vous voulez. C'est quand même très très sobre. Lâchez-vous un peu plus.
Et pour terminer, nous avons Marie-Renée. Allez-y. Oui. Et installez-vous. Oui, très bien. Bien osé. Donc, je vais vous rappeler les prénoms. Nous avons ici Julie, Karl, Amélie et Marie-Renée. Ne leur montrez pas. Donc voilà, comme ça, ils ne vont pas être jaloux pour la fin. Et je vous en prie, décidez-vous. C'est bon, vous avez tous les prénoms, tout le monde ? Ok. Vous avez bien mélangé ça ? Oui, ok, très bien. Vous, ce que vous allez avoir un rôle assez incroyable, car ce soir, vous allez jouer le rôle de différents phénomènes climatologiques. Je m'explique. Vous allez décider sans regarder de piocher une carte de devant vous. Ne regardez pas, laissez-vous tenter, et ne regardez surtout pas la carte que vous allez prendre. Allez-y, prenez une carte de devant vous, mais ne la regardez absolument pas. C'est bon ? Vous êtes-vous décidé, Madame Le Chaos ? Oui, très bien. Ok. Donc, récapitulons un peu. Pourquoi on utilise un paquet mélangé par le chaos ? Parce que le nombre de manières de mélanger un paquet de cartes est égal à un nombre qui s'écrit 8 avec 63 zéros derrière, soit un nombre plus grand que le nombre d'atomes sur Terre. On peut donc considérer que l'état du paquet tel qu'il est peut être considéré comme un état initial d'une météo quelque part dans le monde. Ensuite, nous avons les différents phénomènes climatologiques qui ont essayé de s'imposer en montrant leur grâce ou tout simplement leur simplicité au chaos et en essayant de représenter un phénomène. Vous, par exemple, vous avez décidé de représenter le... Vous pouvez montrer ? Le roi de cœur, mais vous auriez pu représenter, par exemple, le 4 de carreau ou le 10 de pique. Mais vous ne l'avez pas fait. Chacun d'entre vous aurait pu changer d'avis. Mais peu importe vos choix, parce qu'au final, c'est le chaos qui décide. Madame le chaos, vous êtes-vous décidé ? Vous pouvez montrer ? Non, mais montrez. Elle ne veut pas montrer ? Allez-y, montrez. Oui. Amélie. Amélie, qu'est-ce que vous représentez ? Le 3 de pique. Mais vous auriez pu changer d'avis. Vous auriez pu dire, disons par exemple que Julie avait l'air beaucoup plus intéressante, beaucoup plus sincère. Nous serons tombés sur le 8 de cœur. Mais vous ne l'avez pas fait. Imaginez le nombre de possibilités de changement, de choix qui auraient pu se passer ce soir, mais pour arriver à un seul et un seul scénario, Amélie avec le 3 de pique. Je reviens vers vous. Maintenant, vous ne savez pas trop ce qui s'est passé, on est d'accord là ? Et vous, depuis le départ, vous avez pensé à un numéro de chance, n'est-ce pas ? Et vous teniez un paquet avec vous que vous n'avez pas ouvert. Un paquet de cartes, avec différentes cartes, avec un certain nombre de cartes au-dessus de chacune. Vous avez un nombre, et juste ici, on a généré une carte totalement aléatoirement. Une carte qui sera dans ce paquet-là, avec un certain nombre de cartes au-dessus d'elle. Vous voyez où je veux en venir ? Ça serait quand même dingue si, en comptant à votre numéro de chance, la prochaine carte soit la carte qui a été générée aléatoirement ici, n'est-ce pas ? Parce que ça aurait pu être n'importe quelle autre personne, ou même si vous avez donné les post-it à d'autres personnes, on aurait eu quelque chose de totalement différent ce soir, parce qu'ils auraient fait différents défilés de mode. Vous pouvez ouvrir tout délicatement, vraiment en faisant gaffe. Le paquet de cartes, face cachée, sortez toutes les cartes dans l'ordre, ne les faites pas tomber. Face cachée, très bien. Et juste ici, vous pouvez compter 18 cartes face cachée et mettre la prochaine juste là. C'est quoi votre numéro de chance, pardon ? 18. Le 18, ok. J'utilise de l'ombre comme exemple, mais du coup, tant mieux. Bref, ok, du coup. Allez-y, donc, 1, 2, ouais, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Attendez un instant. La prochaine, vous pouvez la mettre juste la face cachée. Parce que juste, imaginez un instant. On est d'accord que si vous aviez pris un nombre un peu plus grand, on aurait pu avoir une autre carte, voire même quelqu'un d'autre dans la salle aurait pu avoir un nombre un petit peu plus petit et nous serons tombés sur le 10 de trèfle ou l'as de cœur. Mais ici, une seule carte a été générée. Sur le... Quelle était la carte qui a été générée ici, le 3 de pique ? Je vous laisse retourner. Le 3 de pique. Merci beaucoup. Merci infiniment pour vous. D'ailleurs, vous pouvez même garder le 3 de pique. Merci à vous tous. On les applaudit encore une dernière fois. Vous pouvez revenir à votre place. Merci infiniment. Merci encore. Gardez le 3 de pique en tant que souvenir pour vous. Une dernière fois pour nos personnes sur scène. Merci encore. Voilà comment des actions qui peuvent paraître d'abord insignifiantes peuvent avoir des conséquences concrètes
et un impact plus grand que ce qu'on imagine sur la suite de notre vie. Chacun des choix qu'ils ont fait ce soir a été déterminant pour parvenir à ce résultat. Le moindre autre choix aurait causé un résultat totalement différent. D'ailleurs, si l'un d'entre eux avait décidé d'agir autrement, ça n'aurait pas fonctionné, j'aurais eu honte devant beaucoup de personnes. Mais ceci est applicable à toutes les actions insignifiantes et quotidiennes de notre vie. De la boisson qu'on décide d'acheter au distributeur, à notre choix entre prendre l'escalier ou l'ascenseur. Chacun de ces scénarios causera un effet papillon propre et unique. Peut-être que quand vous avez réservé votre train pour venir, si vous avez pris le train précédent, ou que vous étiez mis en seconde classe plutôt qu'en première, vous auriez fait une rencontre qui vous aurait bouleversé. Une rencontre professionnelle, un nouvel ami, ou même un amour. D'ailleurs, ma présence ici devant vous ce soir est le résultat d'une réaction en chaîne et d'un événement microscopique. Si à 14 ans, je n'avais pas découvert par hasard une boîte de magie de cartes, jamais je ne me serais lancé dans la magie. Si en terminale, un ami et moi n'avions pas décidé, sur un coup de tête, de faire un spectacle de fin d'année de magie, jamais je n'aurais commencé à créer de numéros. Les circonstances n'étant pas bonnes, nos emplois du temps étaient devenus incompatibles et le projet a été abandonné. Mais c'est précisément parce que cette porte a été fermée que j'ai continué d'écrire, jusqu'à créer à partir d'un unique numéro un spectacle complet. Si à mon école il n'y avait pas de théâtre, jamais je n'aurais pu commencer à jouer mon spectacle pour la première fois pour ensuite le proposer à un théâtre parisien. Et enfin, si j'avais nommé mon spectacle imprévisible, comme en était mon intention de départ, et non pas l'effet papillon, jamais l'équipe TEDxploit ne m'aurait remarqué. C'est donc grâce à une boîte de magie de cartes découverte à 14 ans, qui aura retenu mon attention par hasard, plus que les casse-têtes que je comptais acheter en premier lieu, que je me tiens devant vous ce soir. Un ensemble de plusieurs petites décisions et circonstances m'ont amené au partage d'un instant d'émerveillement ce soir. Mais si vous n'essayez pas de vous intéresser à la manière dont vous impactez le monde autour de vous, vous ne pourrez pas voir la puissance de vos choix. Comme ce soir, si nous n'étions pas intéressés au paquet que restait là depuis le départ, jamais ils n'auraient pu réaliser l'importance de chacun des choix des personnes sur scène. Mais dès lors que l'on prend conscience de l'impact que peuvent avoir les petites actions, on commence à optimiser et à mieux réfléchir nos actions. Nous perdons tant de temps de notre vie à juste attendre, attendre que le feu passe au vert, que la file avance, que notre tour arrive. Et si, au lieu de perdre ce temps limité et précieux, nous l'utilisions pour avoir un impact positif, pour aider les autres, et rien qu'à travers une simple petite action, qui, elle, aura un impact beaucoup plus important. Un numéro peut faire rêver les gens pendant quelques instants. Une simple pièce peut changer la journée d'un mendiant. Un mot gentil ou même un simple sourire peut suffire à remonter le moral de quelqu'un en dépression. Alors essayons de porter attention aux choix que nous faisons. Réfléchissons-les, car même s'ils nous paraissent insignifiants, ils peuvent avoir un retentissement insoupçonné. Ils sont souvent porteurs de grands changements. Merci à tous.